Bonjour à tous, c'est KMLF. On est sur Robocraft pour une petite partie avec notre araignée mutante préférée. Et je vais mettre en pause en attendant que la partie commence. C'est parti! Ça va, j'ai pas attendu trop longtemps. Parce qu'il y a des fois où on attend des heures sur ce jeu, c'est un truc de dingue. Il y a des fois c'est instantané. Il y a des fois, t'attends une heure. J'ai eu le coup, hein. J'ai eu le coup, ouais. Bon, alors. Ah oui, c'est vrai, maintenant on ne peut plus voir qu'est-ce qu'il y a comme robot dans l'équipe d'en face. Ah, matez-moi ce truc de dingue! Ce mec, il a des SMG top 10 et tout, là! Ça doit être le mégabot de notre équipe. Oui, parce qu'en fait, maintenant, dans Robocraft, quand on joue en tiers de level 15, enfin, de 15 000, parce que c'est tiers 10 et tout ça, il y a au moins toujours un mégabot avec. Ce qui est assez fun, parce qu'en gros, ça fait, on a un chef d'équipe et des vassals, là. Nya, 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 nya. Avec ma petite araignée mutante. Wow, notre mégabot se fait allumer là. Ça doit être l'autre mégabot. Ah! C'était pas prévu au programme! Fuck! Quand j'ai sauté, le mégabot s'est mis en dessous de moi et il m'a retourné! Le truc, c'est qu'il faut que je m'enfouie, sinon je suis mort. Fais chier! Je me fais allumer comme une troïe. Mais le reste de mon équipe est là, donc c'est bon. Il me reste juste les deux pattes qui me permettent de bouger, quoi. Si c'est pas de la chance, ça. Allez, répare-toi, répare-toi, répare-toi. Je veux repartir à l'assaut, moi. Parce que oui, hein, comme vous avez souvent remarqué, et je l'ai dit à chaque fois, quand on est dans les levels 15 000, les bastons durent vachement plus longtemps. Vous avez remarqué, boum, voilà, hop, je repars à l'assaut après m'être réparé. Mais souvent, ça dure vachement plus longtemps parce que dans les tiers inférieurs, on a tendance à mourir instantanément. Comme ce qui va m'arriver si je reste face à tous ces mecs. Je pense bien que la partie est foirée. Mais dans les tiers supérieurs, comme les robots sont plus solides en général, ben les parties durent plus longtemps. Eh voilà, je suis mort! C'est fait lapider! Vous direz, c'est peut-être de ma faute, j'ai un peu joué comme une merde, là j'ai la tête dans le cul, j'ai fait n'importe nawak. Mais si vous regardez bien, notre équipe est déjà en train de capturer leur base. Alors sur le temps qu'on se faisait latter le cul, on va peut-être marquer quelques points quand même. Oh, il a les fameux shrapnel là, qui viennent d'arriver, que j'avais dit que je dirais ce que c'est, mais que je sais pas encore ce que c'est. Je sais pas où il l'a eu. Je sais pas où avoir ces trucs-là, mais je me demande comment ça marche. Ah ben un ennemi arrive, on va le voir. Tire! Qu'est-ce que tu fais? Je veux voir les cas. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé! C'était une pute! J'avais une pute dans l'équipe! Dommage, on n'aura pas vu comment marchent les nouveaux canons shrapnel. Mais je vais un peu regarder, parce que je ne sais pas comment obtenir ces canons-là. Oui, je sais, je suis mort, j'ai fait de la merde. Alors, dans la boutique. Ah! Aeroflak Cannon! Combien il coûte? Attends, là ça fait 1 000. Là ça fait 11 millions! 11 putain de millions! J'ai pas du tout de quoi l'acheter. Non, non. J'ai genre 1 900 000, moi. Attends. Là, ça fait 1 000. Ouais, j'ai qu'un million, moi. Bon, ok. Alors, un anti-air canon. Ouais, donc à mon avis, c'est une genre de DCA, à mon avis. Donc, c'est à mon avis un tir assez rapide. Ben, je vais farmer pour pouvoir m'en acheter une, hein, et je ferai un robot anti-aérien. Mais ce sera sûrement un robot de tier 15, puisque c'est un machin à 11 000, c'est un truc de dingue! Truc de dingue! 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 Bon, je vais arrêter mes conneries un peu. Ah ben, j'allais mettre pause, mais la partie commence! Alors, on a un mec, son nom, c'est des numéros, et le nom de son robot, c'est Je ne vais pas m'avancer parce que je ne reconnais pas les symboles. Donc c'est parti, encore une fois. Et ce coup-ci, je vais essayer de ne pas faire de la merde. Ah, on a un premium dans l'équipe en face. Bon ou mauvais signe. Je suis pas sûr, hein.
Parce qu'avec un peu de chance, c'est un pay to win débutant assez mauvais. Avec pas de chance, c'est un gros pay to win de malade. Et on va se faire déglinguer. Bon, alors. Oh, j'ai une oreille qui vient de se déboucher là. Je vais rester avec l'équipe parce que c'est comme ça que ça marche dans les tirs supérieurs, sinon on crève. Donc je vais avancer un peu. J'ai une équipe bordélique. Ok, bah, je vais partir à l'assaut frontal. On va encore perdre. Parce que mon équipe est bordélique et je parie que l'équipe adverse est groupée et qu'on va le regretter. Wow! Matez ça! Un tir! Un tir, j'ai perdu deux jambes. Alors que j'ai même pas vu le mec. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc. Quand moi, je fais un tir dans ce genre-là, je touche personne. Le mec, il est là, il fait one shot, il me coupe deux jambes. Merde. Ah, le salaud, il s'est enfoui. Vous avez remarqué que le mec tire sur moi. Il y a deux, trois ennemis qui viennent, deux, trois alliés qui viennent de passer, et l'ennemi tire sur moi. Ça aussi, c'est le genre de truc qui m'énerve. Parce que je me prends toujours les tirs. C'est comme l'autre, c'est pas moi qui étais visé. On me suis fait couper les deux jambes juste avant. Mais c'est moi qui ai pris. Le truc, c'est que j'ai un radar et que je te vois au travers des murs, petit con. Il m'attend. Ouais. Ou il m'attend pas, il s'enfuit. Bizarre. Il s'enfuit ou quoi là? Je cale pas, qu'est-ce qu'il fait le mec? Parce que je l'ai repéré avec mon radar. Donc dans tous les cas, je le tiens, je sais ce qu'il fait. Bah, on va faire une technique différente, hein. J'ai une araignée. Autant en profiter. Il va pas le voir venir, ça. S'il a pas de radar, il va pas le voir venir. Oh, quoique, je vais peut-être faire autre chose que l'attaquer lui pour l'instant. Et voilà, ça c'était du travail d'équipe, les amis. On était à deux dessus, il avait aucune chance. Oh, il capture notre base. Je vais faire un plongeon fulgurant. J'aurais pas dû, je vais mourir parce qu'ils sont trop nombreux. Mais j'en emporterai un dans la tombe. Allez, tu vas mourir, oui. Et voilà. Ostraja! On s'en bat les couilles! Je mourrai pas! Ah, c'est pas grave, même dans la défaite, j'aurais fait un plutôt bon score pour d'habitude, je fais de la merde. Voilà, j'ai encore fait de la merde. Comme je l'ai dit, hein. Ah, j'ai tué personne, j'ai fait que des assists. Mais c'est pas grave, ça fait quand même de la monnaie. Parce que c'est pas comme ça que je vais avoir le canon à 11 millions, là. Hein. Dingue. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite rapide partie pourrie que j'ai fait de la merde. Je me demande en fait, non, non, non. Merci d'avoir regardé jusque-là. Mais si ça vous intéresse, on va faire un petit bonus. Non, non, non. Non, je vais continuer avec celui-là. On continue. J'ai bien envie de m'en faire une plus longue. Alors je m'en fais une troisième. Jamais 203. Celle-là, je la sens bien. Ça va encore être une défaite. Allez, je vais faire pause. Ce fut plus rapide que prévu. Je commençais déjà à jouer avec les trucs qui étaient autour de moi. Et plusieurs premiums dans la partie. Et le mec qui était dans mon équipe MK3, elle l'est encore. Il me suit! Il me suit! Il me suit au travers des games. Ouh! Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a dans l'équipe. Une pute, deux putes, trois putes. Ouais, bof, tant qu'il. Ouais, lui, il a un peu plus de santé. Mais il faut vous dire, quand je dis pute, parce que la personne qui est là devant moi, celui-là, même s'il a beaucoup de canon heal, un shoot, il est mort. Lui, il a beaucoup de réflecteurs, ça peut aller. Mais lui, là, qui déjà ne bouge pas, je le sens pas. Bon, bah, on va partir à l'assaut par là, alors, hein. On va partir à l'assaut par là. Qui était en train de mitrailler. Alors ça, ce sont des tirs SMG adverses qui viennent et éclatent après une certaine distance. Ça empêche les SMG d'avoir une trop grande portée, ce qui est dommage dans le jeu, j'ai envie de dire. Mais bon. Alors, il a réussi à m'enculer. Ça aussi, c'est la communauté de merde, quoi. Il y a tout un panel de distance, le mec me rentre derrière. Il se servait de moi comme bouclier humain. Sérieux. Wow! Oh, je lui ai fait un hit marker. Oh, wow. Oh, le snipe pute de dingue. On le voit même pas.
Il est hors limite. Ça m'énerve. Le mec, il est super loin. Quand moi, je prends un sniper, je vois pas les mecs super loin. Pourquoi? Parce que j'ai une portée de merde ou je cale pas, ma caméra n'est pas assez longue. Et donc, je me fais niquer, moi. Alors que ces mecs-là, ils sont super loin et ils te shootent du premier coup, tu vois. Va falloir faire du travail d'équipe, sinon on va pas s'en sortir. Hein. C'est ça, on les latte, on les latte! What? C'est quoi ce bug? Ah putain, il y en a un qui a presque plus de santé, je veux le buter. Il s'enfuit, bordel. Le problème, c'est que celui qu'on n'a pas réussi à tuer là-bas va revenir après avoir pris de la santé. Mais comme on est assez badass pour l'instant, on avance, on fait des dégâts, on leur fait mal. Donc c'est bien parti pour être une partie victorieuse. J'avais raison de faire une troisième game. Allez, on avance tous en même temps, c'est comme ça que ça marche. Il faut se soutenir, sinon ça va pas aller. Il faut pas s'arrêter de les défoncer. Ah, ils s'enfuient vite, hein, les petits salopios. Mais problème... problème, c'est que je viens de me lancer dans un traquenard. Oh, regardez comment le flak cannon tire. C'est des obus comme ça, c'est space. Oh, c'était... c'est lent, vous avez vu, c'est régulier, c'est lent. Ça fait pouf, pouf, pouf. Donc on aura vu comment on fonctionne, j'ai bien fait de faire ça. Voilà, c'est ça, répare-toi. Allez, 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 ma belle. On est reparti. Faut pas lâcher l'affaire, là, ils prennent cher. J'ai vu le healer qui arrive 10 minutes après que je me sois fait lapider et qui me met un coup de heal alors que je suis déjà restauré. C'est l'utilité totale. Allez-y les mecs! On le lâche pas! Vous avez remarqué que le gars devant est tellement lourd que ses pattes d'araignée ne savent pas supporter le poids? C'est ce que j'avais à un moment, c'est pour ça que j'ai une araignée mutante et que je lui ai mis une cinquième patte dans le cul. Hein. On va perdre. On va perdre, bordel. Il capture notre base. Oh non, on a déconné! Oh, on a déconné! J'ai pas du tout regardé au fait qu'ils étaient dans notre base, on va perdre! Non! Oh, on a fait de la merde! On a fait de la merde! Oh, j'étais tellement pas concentré, on n'a pas calé. Aucun de nous ne s'est rendu compte qu'ils étaient dans notre base. C'est dommage! C'est dommage parce qu'on était bien partis, on avait une bonne force d'attaque et on a perdu! En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Je vous promets de faire plus de vidéos. C'est vrai que ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup de trucs. J'ai fait quelques Metal Gear et tout ça parce que j'en ai eu l'occasion. Mais je vous jure, je vais faire plus de vidéos avec les deux autres pignoufs comme d'habitude, avec Asilium et Ninjake. En tout cas, encore une fois, un grand merci à tous et à mes 32 abonnés. 32! Wouh! Je suis déjà content pour les 32 abonnés. C'est un gros merci, un gros bisou que je vous fais. C'est super. Merci de me suivre. En tout cas, bonne journée, bon appétit parce que chez moi, il est midi. Je vais aller me faire un sandwich. Salut !